La famille Bouzman est en vacances. Elle décide de rentrer chez elle avec la voiture. Mais une tempête arrive. Une paille tourne sur la voiture. La voiture se casse. Ils se réfugient dans un hôtel. Ils ont envie de dormir, mais ils sont mis dans une toute petite chambre. Une chambre de fourmis. Suzy n'arrive pas à dormir. Elle va dans le couloir pour chercher une autre chambre. Elle se demande ce qu'il y a derrière toutes ces portes. Peut-être qu'il y a une araignée. Oh non, j'ai peur des araignées. Peut-être là, tes faces. Oh oui, les faces, elles sont mignonnes. Peut-être qu'il y a un papillon. Bah, il est là, mais il n'est pas encore sorti. Peut-être qu'il y a un escargot. Berk, non, les escargots, ça bave. En plus, c'est nul parce que ça va tout doucement. Peut-être qu'il y a une sauterelle. Oh oui, c'est drôle. Ça saute partout. Et très haut. Peut-être qu'il y a un papillon. Oh oui, trop mignon, trop joli et plein de couleurs. Mais alors, il y a quoi comme insecte en vrai dans ce livre? Eh bien, alors, vous avez qu'à le lire pour le savoir. Stop! Finalement, l'insecte hôtel, c'est comme la classe. Ils sont nombreux, tous différents et tous beaux. Ils sont gentils ou méchants, mais ils sont tous ensemble. Tous ensemble.